Gluglu et le Micmac au musée. Bonjour les enfants, aujourd'hui vous allez tous fabriquer une fusée miniature. Ouais. Je vais construire la fusée la plus géniale qu'on ait jamais vue. Je vais mettre des lasers, des propulseurs hyper puissants et je vais la faire grande comme ça. Là-dedans, il y a tout le matériel qu'il vous faut. Et ensuite, je la peindrai tout en vert parce que c'est ma couleur préférée. Dépêche, Greg. Ouais. Hein? Il n'y a plus de tubes en carton, ils ont tous été pris. Comment je vais faire pour construire une fusée, moi, maintenant? Tu n'as qu'à utiliser autre chose. À Maya, il n'y a qu'une seule façon de construire une fusée miniature et pour ça, il faut un tube en carton. Non, pas forcément. C'est vrai, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. On va bientôt aller visiter le musée des sciences. Ça te donnera peut-être une idée. Il paraît qu'ils exposent une vraie fusée. Quoi? T'es sérieux? C'est trop génial. Oh, malheureusement, la visite au musée a été annulée. Ça, c'est pas de chance. Pourquoi? Une chose étrange est arrivée. Une panne de courant général dans le musée alors que tous les immeubles du quartier en ont. Sans électricité et sans lumière, ils ont dû fermer les expositions. C'est vrai que c'est bizarre, cette histoire. On devrait aller voir ça de plus près ce soir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Alors ça, c'est curieux. Il y a de la lumière à l'intérieur du musée. S'il n'y a plus de courant, comment c'est possible? Oh, c'est pas le plus important. Regardez. Sur fond rampant, c'est le laboratoire de Roméo. C'est lui qui a provoqué la panne de courant. Vite, tous à la reptile mobile. C'est bien, Roméo. C'est à cause de toi qu'il n'y a plus de courant, avoue. Exact. J'ai décidé de prendre possession du musée. Qu'est-ce que tu manigances encore, Roméo? La batterie de mon laboratoire est à plat. Il faut que je la recharge, mais ça prend du temps. J'ai décidé de faire du musée mon quartier général. Là, je pourrais finir ma diabolique boîte à malice. Ta diabolique boîte à malice? Tu as bien entendu. Une fois terminée, elle me permettra de contrôler cette ville tout entière. Une jolie cité entièrement dédiée à ma gloire. Et je l'appellerai Roméoville. Je croyais que vous vouliez l'appeler Roméopolis. Oui, bah j'ai pas encore décidé. C'est ça, dans tes rêves, les pyjamasques sont là et ont bien l'intention de déjouer tes plans. Vous pouvez toujours essayer. Mais bon courage, parce que j'ai posé des pièges partout. Croyez-moi, vous ne réussirez jamais à entrer. Oh, alors ça, c'est ce qu'on va voir. Glu-glu, vas-y vite. Oh, oh, oh non. Yo-yo, acrobation! Ah! Je te tiens, je peux. Oh, merci, Yo-yo. Oh! Merci, tête de tétard. Grâce à toi, je sais que mon piège fonctionne. Allez, bonne nuit et à bientôt, les pyjaminus. Hein? Rien de cassé, Glu-glu? Non, ça va, mais ça ira encore mieux quand on sera à l'intérieur. Glu-glu, attends. Tu as entendu ce que Roméo a dit? Le musée tout entier est piégé. On devrait peut-être trouver une autre solution. Non, on doit entrer là-dedans, c'est le seul moyen de l'arrêter. J'ai une idée. Et si au lieu d'essayer d'entrer à tout prix, on essayait de faire sortir Roméo du musée? Excellente idée, Bibou. Et je crois que je sais comment m'y prendre. Bonjour, je m'appelle Robot. Bonjour, Robot. Moi, je m'appelle... Hein? Je connais ce bruit. C'est celui du vendeur de glace. J'adore les glaces. J'espère qu'il a mon parfum préféré, pistache double pépite de chocolat. Youhou! Attention, il arrive. C'est maintenant ou jamais. Cette fois, tu ne m'y tiendras pas, Roméo. C'était un piège. Oh, mais j'avais vraiment envie d'une glace, moi. Vous allez me le payer, pyjamasque. Glu glu, incolence. Tu te fais toujours avoir, cuisse de grenouille. Je n'ai pas fini avec toi, Roméo. T'es tombé
des écailles. Oh non! Cette fois, il m'a vraiment énervé, ça a bardé en... Calme-toi, j'ai une autre idée et ça devrait marcher. Burk, mais c'est quoi cette odeur? Ça pue! Oh, ce vieux fromage coulant sent tellement fort qu'il va forcer Roméo à sortir du musée. Pourvu que ça marche, et vite! Je vais avoir du mal à supporter cette odeur très longtemps. C'est trop immonde, faut que je sorte de là! Roméo est sorti du musée. Mais non, attends. Cette fois-ci, je te tiens, Roméo, tu es fichu. Quoi? Ça m'étonnerait beaucoup, car ce soir, la météo nous annonce... un temps pourri. Oh, un pulvérisateur de puanteur. Gluglu, ça va? Tu n'as rien? Pour les trois super zéros, il est temps de tripler la dose. Glu-glu, il n'y a pas qu'une solution à chaque problème. Essayer d'attraper Roméo, ça ne marche pas, tu le vois bien. C'est vrai, ce qu'il faut, c'est le faire sortir du musée assez longtemps pour qu'on puisse détruire sa diabolique boîte à malice avant qu'elle soit terminée. Trop tard, autant abandonner tout de suite les pyjamouises. Ma diabolique boîte à malice est déjà terminée. Ta-da! On est mal. Ça pour un petit drapeau de rien du tout. Faut croire qu'elle n'est pas si diabolique que ça. Elle n'est pas censée s'arrêter là. Ah, hurra! Oh, regardez! Qu'est-ce que tu as fait à notre belle ville? Tu veux sûrement parler de Roméopolis? Tu vas arrêter ça tout de suite. Oh, mais moi je ne fais rien du tout. Celle qui travaille, c'est ma diabolique boîte à malice. Grâce à une simple petite équation mathémaléfique. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu essayer autre chose. J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo. Si je n'étais pas restée bloquée tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machin. Non, ma diabolique boîte à malice, tu veux dire. Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur. Sur mon trône. Oh, on n'arrivera jamais à entrer. Hein? Là-dessus, tu as raison, Yuyo. En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée. Allez, c'est l'heure d'être un vrai héros! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le maire Roméo ou Sa Majesté Roméo? Ah! Maître, venez voir, c'est urgent. Qu'est-ce que... Le labo est en marche? Mais c'est impossible. Il n'est pas encore chargé. Ah! Sors de là tout de suite. Robot! Yo-yo, rapido! Quoi? Hein? Pourquoi ça marche pas? Ça bougeait il y a 2 secondes. Tu as raison, ça bougeait. Mais seulement grâce à mes glu-glu méga muscles. Hein? Alors c'était une ruse. Ma boîte. Non. Maître, n'oubliez pas les... Oh. Les pièges que j'ai posés. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Du moment qu'on ne marche pas sur... Oh, un autre piège. Ma diabolique boîte à malice. Ouf, ça va, elle n'a rien. Plus pour longtemps. Oh non! Roméopolis!
sous contrôle. Je reviendrai, Pyjama. Pyjama, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Bravo, je te félicite pour tous tes efforts. Oh, elle vous plaît? Tu rigoles, je l'adore. Elle est unique en son genre. C'est la diabolique boîte à malice de Roméo qui m'a donné cette idée. Laissez-moi vous présenter ma prodigieuse fusée du tonnerre. Pas si vite, Yo-Yo. Wow, regardez le trophée des jeux juniors. J'aimerais tellement gagner une fois, mais les épreuves sont hyper dures. La course à l'œuf, la course à trois jambes, la course sur ballon. Si je pouvais utiliser mon yo-yo rapido, la victoire serait dans la poche pour moi. Mais en étant lent comme Sacha, alors là, je n'ai aucune chance de gagner. C'est toujours le plus rapide qui gagne. Il ne suffit pas forcément d'être rapide pour remporter les jeux juniors. Comme dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oh, n'importe quoi, les plus rapides gagnent toujours. Sacha, tu cours pas dans le bon sens. Le trophée est par là, au centre sportif. Oh. Bah, je vais quand même vous prendre de vitesse. On fait la course. Le trophée, où il est passé? Regardez, des traces de pas de Ninja Zouave. Alors, c'est Ninjaka qui l'a volé. Il faut qu'on le récupère. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Mais pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent? Je parie que ça a un rapport avec le trophée qu'ils ont volé. Au chabolide! On sait que tu as volé le trophée des Jeux Juniors, Ninjaka! Tu vas nous le rendre tout de suite! Dans vos rêves, les Pyjaminus, je ne vous le rendrai que si vous arrivez à me battre sur trois courses. Celui qui remporte le plus de victoires garde la coupe. Et ce sera moi, parce que c'est moi le meilleur. Pas question. Personne ne peut me battre. Je suis Yo-Yo, le héros le plus rapide qui existe. Alors je te défie pour remporter la coupe de rapidité. Et je vais te montrer que moi, Ninjaka, je suis le plus grand coureur de tous les temps. Sorceline, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je me suis dit qu'une course malhonnête avait besoin d'un arbitre malhonnête, comme moi. Une méchante comme arbitre? Pas question! Elle va laisser Ninjaka gagner. Oh, mais c'est vrai ça. C'est à prendre ou à laisser, Super Zéro. Défi relevé! Avec mon yo-yo rapido, on sera tellement loin devant que même Sorceline sera obligée d'admettre qu'on a gagné. Excellent! Alors dis-moi, où est la coupe? J'aimerais beaucoup la voir. Pas tout de suite. Mais tu pourras la contempler autant de temps que tu veux quand je l'aurai gagnée. Trouvez cette coupe, Papy Nuit. Je parie qu'elle est belle et rutilante. Et toutes les belles choses qui brillent ne devraient appartenir qu'à moi. Pour la première épreuve, chaque coureur doit porter un œuf jusqu'à la ligne d'arrivée. Sur une cuillère. Hey! Que le meilleur des méchants gagne! À vos marques! Prêt? Parfait! Hein? Oh! Je vais me refaire! De passer à la vitesse supérieure. Yo-yo rapido! Ralentis, yo-yo! Oh! Oh! Yo-yo!
Ninja Canaille. Oh, je suis le Cador des meilleurs des coureurs. On devrait même m'appeler Ninja Cador. J'ai gagné la première course. Il m'en reste plus que deux. On a perdu une bataille, mais comptez sur moi. On n'a pas perdu la guerre. Il est temps de passer à la deuxième épreuve. Mais comment on va faire pour courir si on est tous ficelés ensemble comme des jambons? Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est facile. Hé, hey, mais c'est de la triche! Arbitrage en leur faveur. Oh, vous pensiez que j'allais dire quoi? Je suis une méchante. À vos marques, prêts, partez! Vous avez trouvé la coupe? Alors continuez à chercher, je veux la voir. Yo-Yo, sers-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit. Comme ça, à deux, on soulèvera Gluglu. D'accord, dépêchez-vous. À trois, un, deux, trois. Pas si vite, Yo-Yo. Je suis résistant, mais je suis pas non plus en caoutchouc. Refaisons un essai, mais ne te précipite pas. D'accord. Maintenant, il faut qu'on soit synchronisés. Un, deux, un, deux. Et à trois, mes étoiles collantes sont là. Oh, il triche, le vilain. Ne t'en fais pas, on est encore dans la course. À trois, un, deux, trois. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un. Quoi? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause. Tu avais raison, on va gagner. Oh, mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres. Allez, venez. Oh non. Oh, 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 oh. Yo-Yo, on a failli perdre. Mais c'est tout le contraire, on a gagné. Oui, dommage pour toi, Ninja Canaille. Oh, tout ça, c'est de votre faute, les Ninja Zouaves. Oh, oh. Très bien, une course a été gagnée par Ninja Canaille et une autre course a été gagnée par les Pyjaminus. Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe. On n'a pas le droit de perdre. Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant. Bonne nouvelle, je vais participer à la course. Oh, hein? Ne t'inquiète pas, Ninja Canaille, je fais juste ça pour être certaine que tu vas gagner. À moins que par hasard, ce ne soit moi qui gagne. Tu n'as jamais dit qu'on devait aussi courir contre Sorceline. Pas de chance, cervelle de moineau. Vous étiez d'accord pour qu'elle soit arbitre, alors c'est elle qui fixe les règles. Je vous explique. Pour chaque équipe, un participant tient en équilibre et court sur un gros ballon. Oh, moi, moi. Personne n'a un meilleur équilibre qu'un chat. D'accord, mais rappelle-toi, rien ne sert de courir. À vos marques, prêts, partez. Yo-Yo, prends ton temps et on va gagner. Si on veut remporter le trophée des Jeux Juniors, je dois accélérer. Yo-Yo, rapido. Le ballon s'emballe et je ne peux plus m'arrêter. Attrapez-le. Tricheuse, c'est pas du jeu, c'est moi qui devais gagner. Oups. Finalement, ma vitesse m'a joué des tours. Si on veut récupérer cette coupe, il faut que j'aille lentement, mais sûrement. C'est l'heure d'être un vrai héros. Hé, on a tous gagné une course. On est ex-aequo. Il faut qu'on se départage sur une toute dernière épreuve. Et celui qui la remportera, gagnera la coupe. Très bien. On va aller d'ici jusqu'au centre sportif sur ces gros ballons. Tu parles d'une épreuve ultime, c'est beaucoup trop facile. Oui, on a déjà fait ça. Mais est-ce que vous l'avez fait en portant un œuf géant sur une petite cuillère? Les doigts dans le nez. D'accord, mais avec un ninja zouave sur la tête. Ce sera de la tarte. Le pyjaminet va encore se ramasser. Et là, c'est moi qui gagnerai. Pas question, je vais gagner.
Je sais, rien ne sert de courir. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Pousse-toi de là que je gagne, espèce de limace. Mais c'est toi la tricheuse. Ouais. Merci les ninjas ouaves. Ce trophée doit revenir au jeu junior. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Oui. C'est Sacha qui gagne le trophée des jeux juniors. Le plan glacé de Glu-Glu. Qu'est-ce que c'est? De la glace? Mais on est en plein été. Les stalactites. Ça c'est de la glissade. Il y a de la glace vraiment partout. Et tout le monde dérape sur le verglas. Mais regardez au bout de la rue, ce n'est pas du tout gelé. Qu'est-ce qui se passe? On va vite le découvrir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Sacha devient... Yo-yo! Maya devient... Bibou! Greg devient... Glu-Glu! Les pyjamas! La reptile au mobile peut coller à tout sans glisser. Ce serait parfait pour la glace. Et si on prenait... Prenons l'astro-hibou. En survolant la ville, on verra ce qui se passe. Bonne idée, Bibou. Mais la reptile au mobile serait plus... Non, ils ont sûrement raison. Chut. Allez, Glu-Glu, une mission nous attend. La ville est gelée. Les chiens et les chats ont même arrêté de courir pour se tenir chaud. Wow. Qu'est-ce que c'est? Hibou Vision. Regardez là-bas, le labo de Roméo. Hé, je m'amuse comme un fou. J'étais sûre que c'était un coup de Roméo. C'est quoi là? Le gros tuyau? Ah, on dirait une machine à glace. Rattrape le Bibou. Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter. Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Ça ne se voit pas? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan. Mon labo toboggan. J'y suis presque. Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga muscles pour pousser ton labo sur ses roues. Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse.
Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière. Roméo veut geler la Terre entière. Ah, mais c'est raide. Nom d'un hibou déplumé. Impossible de passer. Il faut se poser. Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs. C'est vraiment super glissant. Merci, Glugli. Moi, je pourrais attraper Roméo avec mes Gluglu pieds collants. Pas la peine, Gluglu. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben, mon idée attendra, alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Gluglu et moi. Hibou vision. Je l'ai repéré. Wouhou ! On y va, Glu-Glu. Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus. Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes. Yo-yo Acrobasso ! Oh ! Wow ! Ça devait être le vent. Aussi agile qu'une panthère, Yo-Yo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow ! Grâce à son... Wow ! Yo-Yo ne s'avoue jamais vaincu. Bon alors, t'en as mis du temps. Alors, Minet, tu veux jouer à chat glacé avec moi? C'est toi le chat. Fais attention, Yo-Yo. Je suis frigorifié. Je ne peux plus bouger. Sors-moi de ce glaçon, Roméo. Bibou, je crois que j'ai la solution contre Roméo. Regarde. Pas maintenant, Glu-Glu, reviens ici. Yo-Yo, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous occupez pas de moi, Roméo s'enfuit. Vite, rattrapez-le. Super-héros, mais là, Yo-Yo est surtout un super glaçon. Il faut qu'on trouve un plan à nous deux, Glu-Glu, et vite. C'est justement ce que j'essaye de te dire. Moi, je peux... Je viens d'avoir une idée. Je vais avoir besoin de toi. Mais avec mon plan... Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Parfait. Je vais accrocher ça au labo et toi, tu tires avec tes méga muscles pour l'empêcher d'avancer. Oui, mais... Et là, on prendra le contrôle de la machine à glaçons. Vas-y, Glu-Glu. Attends. Tu ne fais pas le poids face à mon génie, Pyjaminus. Vous allez écouter mon plan.
Pour m'aider, il faut que vous cassiez un maximum la banquise de Roméo. Alors, prêt pour un flipper polaire? Hé! Hey, le plan de Gluglu pourrait marcher! C'est parti! On va briser la glace! Hein? Ces pigeonouilles sont en train de détruire mes superbes montagnes russes! Impossible de faire demi-tour maintenant! Je vais montrer à Roméo qui des deux est le roi de la glace! Gluglu, pied collant! Roméo, hein? Avec mes glu-glu pieds collants, je suis meilleur que toi sur le verglas. N'importe quoi, mon labogon a été conçu par le plus grand des génies, moi. Alors si tu crois qu'un petit pot de colle comme toi peut mieux faire, tu rêves. C'est ce qu'on va voir. Allez, glu-glu! Attrape-moi si tu peux. Mais où vous êtes? On dirait que Roméo a le cerveau complètement gelé. Je vous déteste, bande de pigeon-douille. On ne peut jamais s'amuser sans que vous cassiez tout. Je vous aurai la prochaine fois, les pyjamas. Oh, il reste encore beaucoup de glace. Mais si quelqu'un peut arranger ça avant le matin, c'est bien nous. Les pyjamas ont crié hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Plus de glace, et si on allait au parc? Et si on faisait plutôt du vélo? Mais ça serait plus marrant. Attendez, moi j'ai un super plan. Et si on allait au parc aquatique? Bonne idée, on y va. Wow. Oups, j'ai oublié un morceau de verglas. Yo-Yo et le dôme lunaire. Et vous avez vu, je fais du hip-hop. Et moi je fais la vague. Regardez ça, le robot. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Je t'aime, Roméo. On va montrer aux autres de quoi on est capable au gala de danse demain. J'ai trop hâte. J'ai même préparé une nouvelle figure. La tornade tourbillon. La tornade quoi? Oui, j'ai vu ça à la télé. Faut faire comme ça. Ah, c'est trop cool. Comment tu fais? Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, tu balances tes bras et tu tournes. Vas-y, essaye. Je lève une jambe, je balance mes bras et... Oh! 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 Rigolez pas, c'est vraiment pas drôle. En fait, c'est pas cool du tout. Mais si, il faut juste que tu t'entraînes un peu. Je connais plein d'autres figures, alors tant pis pour celle-là. Surtout si c'est pour que les autres se moquent de moi. Non, bah, hibou déplumé, des papinuis. C'est une invitation de sœur Céline. Prêt pour une fête ensorcelante? Alors entrez dans la danse et retrouvez-moi à votre QG ce soir. Elle nous invite, nous, à une fête? C'est quand même plutôt gentil venant d'elle. Peut-être qu'elle s'en veut d'être méchante et qu'elle veut se faire pardonner. En plus, si on danse, on devrait s'amuser. Comme ça, on s'entraîne pour le gala et pour la tornade tourbillon, hein, Sacha? Ouais, je ne le sens pas. Une fête ensorcelante, moi, je trouve ça bizarre. C'est une bonne raison pour aller faire un tour et de voir ce qu'elle mijote. Pyjamask, on a un nouveau défi. On va danser jusqu'au bout de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais!
Jack devient... Blu-blu. Sacha devient... Yo-yo. De l'école, là? Si. T'as emprunté le matériel de l'école? Certainement pas emprunté. En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir. Me remerciez pas, les pyjaminus. C'est pas comme ça qu'on parle aux invités. Des invités? Non, les invités peuvent partir quand ils veulent. Mais vous, les super zéros, ben, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Vous êtes prisonniers, les pyjanouilles. Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire. Je croyais que tu voulais te faire pardonner. Non, désolée. Oh, je vous ai mis sous cloche. Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue. Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école. Quoi? Je veux être la seule à danser et à m'amuser. Il n'y aura que moi à ma super boue. D'un hibou déplumé. Le gala de danse va être annulé si elles volent tout notre matériel. On ne pourra pas faire nos super figures. Par mes écailles, j'avais vraiment envie de faire le robot. Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école. Il faut qu'on sorte d'ici. Je m'en charge. Glu glu méga muscle. J'arrive pas à le déplacer. Et je peux pas sortir par les airs. Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là. Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme. C'est une idée géniale, comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo. Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête. T'as juste besoin d'un peu d'entraînement. Pas question, je ne veux pas encore tomber. C'était trop la honte. On va trouver une autre idée. Tout se passera bien. Tiens, je te remontre. Allez, tu te mets sur la pointe des pieds. Tu lèves une jambe et après, tu tournes. Et tu te sers de ton yo-yo rapido. D'accord. Je suis morte de rire, Pyjaminet. Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête. Oh, et une boum n'est pas une boum sans ça. On t'arrêtera, Sorceline. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prise au piège. À plus, les pyjas capables. Le dôme descend vraiment profondément dans le sol. Peut-être que si vous deux, vous faisiez la tornade tourbillon... Ça marcherait pas. Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme. Alors nous devons faire autrement. Ok, à trois, on fonce dans le dôme en même temps. Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs. 1, 2, 3. Glu glu méga bus. Bibou tornado. Yo yo méga saut. Bien tenté les pyjaminus. Vous vous échauffez pour la fête? J'ai de la déco. J'adore les ballons. Surtout quand ils ne sont pas à moi. Réessaye la tornade tourbillon, je sais que tu peux le faire. Et Yo-Yo, tu nous fais une petite pirouette? Oh non, j'avais oublié. Tu sais pas faire, mais moi, oui. Par mes écailles, on n'arrivera jamais à sortir d'ici. Sauf si Yo-Yo arrive enfin à trouver une nouvelle idée. J'en ai une. J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon yo-yo rapido. Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme. Il devrait finir par s'envoler. Yo-yo atteint sa vitesse maximale. Yo-yo ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Eh ben, au lieu de la neige, ça a obtenu des lumières disco et une jolie banderole. Les choses avancent de mieux en mieux. Pour moi, bien sûr, pas pour vous. Yo-Yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais... Pas question, je vais encore être ridicule. Ah, j'ai vraiment un super plan cette fois.
lance des boules de poils et ensuite on va chatapulter le chat bolide. Là c'est sûr, on va réussir à sortir. Lancez de boules de poils. Catapulte. La fête est terminée, Sorceline. Éjection, éjection. Mille reptiles, c'est un cauchemar. Regarde, si ça continue, les boules de poils vont détruire notre QG. Désolée, je voulais nous faire sortir d'ici, mais j'ai fait qu'empirer les choses. À cause de moi, le gala de danse va être annulé. Vous pourrez pas montrer ce que vous savez faire. Il n'y a qu'une seule façon de régler les tracas, et il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, la seule façon de sortir, c'est par un tunnel. Et le seul suffisamment rapide pour en creuser un, c'est toi. Je sais, j'aurais dû t'écouter pour la tornade tourbillon. T'avais raison. Oh, ok, tant pis si j'ai l'air bête. Au moins, je vous laisse pas tomber. C'est l'heure d'être un vrai héros! Vas-y, Yo-Yo! Lâche rien! Pour se lâcher, il se lâche! Et il est ridicule! Elle a volé la scène! Mais sur quoi on va danser demain au gala? T'inquiète pas, moi je vais m'en occuper! Et tant pis si je passe pour un idiot! C'est pas des danseurs que vous êtes, c'est des comiques! Pas de soucis, Yo-Yo, j'avais besoin d'un bain! Ridicule ou pas, me voilà! Tornade tourbillon! Bien joué! T'as réussi! Sauver le gala. Quoi? Oh! Non! Glu glu méga muse! Je vous déteste, les piranouilles! Vous ne me laissez jamais m'amuser! Tu sais, t'as le rythme dans la peau, Sorceline. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Non, je le pense. Vas-y, danse. Continue tes petits bonds et finis par une tornade tourbillon. Oh ouais, ça va être trop bien. Regarde-les tous les deux. Yo-Yo se débrouille comme un chef. Bon, faut qu'on rapporte tout ça à l'école. Sorceline est en train de s'amuser comme une folle. Elle ne nous en voudra pas. Pyjamasque, on crie hourra! Cette nuit, on a sauvé le gala! T'as vraiment fait des progrès, Sacha! Merci! Joli jeu de jambes, Sacha! Je crois que j'ai glissé, en fait. Vous savez quoi? Je vais appeler ça ma pirouette glissante! Tu tournes, tu tombes, tu te relèves et tu tournes encore! Quelqu'un veut essayer avec moi? Ouais, on arrive! Prêt? Bibou prend de la hauteur. J'ai trop hâte de voir la démonstration de voltige demain. Il y aura une montgolfière multicolore et plein de vieux avions de collection. Ils vont fendre l'air à tire d'aile, exactement comme moi. Pardon, mais où sont passés tous les avions? On ne sait pas, ils étaient encore là hier soir, prêts à voler. Mais ce matin, ils avaient disparu. On va devoir annuler, nous sommes vraiment désolés. Je suis trop dégoûtée. Qui peut bien voler des avions? Par ici. Regardez ces petites traces de pas. Ça doit être des empreintes de Ninja Zouave. Ninja K n'aurait jamais dû faire ça. S'il croit qu'il peut me surpasser dans les airs, il se met le doigt dans l'œil. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Amaya devient... Greg devient... Glu-Glu! Sacha devient... Yo-Yo! Ha!
la démonstration de voltige aérienne, Ninjaka. Ah oui, et quel intérêt? Personne ne pilote ces avions aussi bien que moi. Essayez de m'attraper si vous pouvez. Surtout ne vous en faites pas, les amis. Je pourrais rattraper cette Ninja Kanaï les yeux fermés. Astro Hibou Turbo. Je fais les aveugler avec les phares de l'Astro Hibou pour les forcer à atterrir. Tu devrais te méfier, Bibou. Ninjaka est un malin et tu sais qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac. Il n'a aucune chance, il ne fait pas le poids face à un as de la voltige comme moi. Manœuvre aérienne 77, maintenant! Mais... quoi? Balancez les étoiles collantes! Oh non! Bibou! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! L'astro-hibou est pris au piège! Qu'est-ce que vous diriez d'embarquer cette cervelle de moineau pour un petit rodéo aérien, les ninjas ouaves? Lâchez-nous! Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard? Tu as bien dit, lâchez tout comme tu voudras. Remontez les étoiles collantes! Et un engin volant de plus mis hors d'usage. En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps. Bien meilleur que toi, crâne de piaf. Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mis hors d'usage? Oh, si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien et le saboter comme toutes les autres machines volantes. Il faut que tu le rattrapes, Bibou. Mais l'astro-hibou est cassé. T'as pas besoin de l'astro-hibou, tu voles très bien sans lui. Je peux pas. Pourquoi tu dis ça? À cause de Ninjaka, parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi. Quoi? Tu rigoles, tu es la meilleure dans les airs. Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro-hibou avec ses étoiles collantes. Bien dit. Et on peut t'aider, nous. Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG. Et ensuite, on ira faire un petit tour au musée. C'était pas si compliqué que ça. Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée. Cool, hein? Tu t'en sors très bien. Tu vas forcément rattraper Ninjaka. Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe. On t'écoute, on suivra tes instructions. Mes instructions? Mais... ah, les voilà! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes. À toi de jouer, Bibou. Dis-nous comment faire pour les arrêter. Il faudrait... On n'attend plus que toi. On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus. Je... Ok, t'inquiète pas, on va improviser. En avant les pyjamas. Quoi? Prête! Je sais pas comment. Le plus raté que j'ai jamais vu. Mais je vous laisse, je peux pas rester, il faut que je change d'air. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibou? On aurait bien eu besoin d'un coup de main. Je suis désolée, Ninjaka et les ninjas ouaves sont tellement forts. Vous avez vu les loopings qu'ils arrivent à faire? Ils ne sont pas aussi forts que toi. Et nous, t'as vu, on n'est pas forts du tout. Il faut que tu nous aides. Oh. Tu peux y arriver, Bibou, vraiment. D'accord. Hibou Vision. Oh, ils ont volé la maquette de vaisseau spatial du musée. Ninjaka n'a pas le droit de faire ça. Alors c'est quoi ton idée? Peut-être qu'on pourrait... Qu'on pourrait... Non, ça ne marcherait pas. Ça ne fait rien, on trouvera un truc sur le chemin. Yo-yo à la rescousse. Yo-yo, fais quelque chose. Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piqué. Et pour tout, en fait. Je lui arrive pas à la cheville. Attends! Où est-ce que tu vas? Je rentre au QG. Vous serez bien plus efficace sans moi. Non, c'est pas vrai. On a besoin de toi. Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou. On a confiance.
confiance en toi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler. Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville. Quoi? Je vous ai manqué, les Super Zéro. Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin. T'as entendu, Bibou? Il se dirige droit sur nous. Donc, peut-être qu'on devrait se cacher derrière le QG et les prendre par surprise. Oui, d'accord. Suivez-moi, alors. Il se rapproche. Oh non. Revenez. L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG. Pendant que ces pigeonnouilles continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leur astro-hibou une bonne fois pour toutes. Super génial, Bibou. Mais il nous reste encore à arrêter Ninjaka. Et tu es la seule qui sache voler pour de vrai. Tu viens de le prouver. T'as raison. Je me suis laissée impressionner par Ninjaka. Mais maintenant, je vais lui montrer ce que c'est vraiment d'être un as des airs. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ouais. Réfléchis, Bibou. Ils sont collés au QG, donc la tirez, solution... Tirez. Oui. Yo-Yo, suis mes instructions. Nez en l'air et à fond les manettes. Prêt? Tirez. Ah, enfin. Vous êtes prêts à regarder votre petite tour s'effondrer? Pas tant que j'aurai des ailes. Yo-Yo, garde ton calme et le contrôle de l'avion et suis-moi. Quand je te dirai de descendre, pousse le levier très fort vers l'avant. Descends. Les pyjaminus. Vous verrez. Et vous, faites-moi redescendre le sapin, les ninjas zigoto. C'était trop cool, Caméléon. Bibou, il n'y a vraiment pas mieux que toi comme commandant de bord. Peut-être, au bout du compte. Oh, regardez, toutes les autres machines volantes sont là. Et en plus, ça nous laisse juste le temps de toutes les remettre en place avant le lever du soleil. Pyjamasque, on crie Hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Mais si j'avais été aux commandes, j'aurais enchaîné les loopings et ensuite j'aurais fait des vrilles et des tonneaux comme ça. Glu-Glu est la pierre surpuissante. Du kung-fu? Oui, j'ai trouvé ce livre sur une table. Il est plein de chouettes histoires sur des maîtres du kung-fu. Regardez mon livre, il parle du monsieur muscle le plus costaud du monde. Wow. Et encore plus impressionnant, c'est tous les trucs qu'il a gagnés. Des trophées, des coupes, des médailles. Et peut-être qu'un jour, moi aussi, je gagnerai une médaille. Je ne sais pas s'il en existe une pour les glu-glu méga muscles. Allez, venez, si on allait lire au parc. Si seulement je pouvais gagner un prix pour prouver à tout le monde que je suis fort. Greg? Qu'est-ce qui est arrivé à ces lampadaires? Ils sont complètement tordus. Waouh, celui qui a fait ça doit être hyper fort. Peut-être, Glu-Glu, mais il n'aura pas de médaille pour ça. Tordre des lampadaires, c'est mal. Je me demande qui ça peut être.
Allons au QG pour le découvrir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Sacha devient... Yo-Yo! Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, pas vrai? C'est une grosse pierre toute moche? Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Mes ninjas doivent été la chercher dans un ancien temple, là-haut sur la montagne, à des milliers de kilomètres d'ici. C'est la pierre de surpuissance! La pierre de surpuissance? J'ai lu quelque chose là-dessus dans le livre de Kung Fu. Il y a une légende sur cette pierre. Cachée à l'intérieur, il y a un précieux médaillon. Comme celui-ci? On dirait... une médaille! C'est un médaillon, pas une médaille. Seul le héros le plus puissant pourra briser cette roche et récupérer le médaillon. Et quand je dis le héros le plus puissant, bien sûr, je parle de moi. Le héros le plus puissant. Mais tu n'es même pas un héros! Attends un peu de voir le médaillon autour de mon cou. On verra si tu rigoles toujours autant. Ah! Un médaillon qu'on ne peut avoir que par la force? Hein? Si je l'avais... tout le monde saurait que c'est moi le plus fort. Glu-Glu, où tu veux en venir avec ça? Et si j'arrivais à casser la pierre, Ninjaka n'aurait pas le médaillon. Mais moi, oui, je le porterai. Je serai comme le monsieur muscle de mon bouquin. Servez-vous de votre entraînement de kung-fu, les ninjasois. Oh, il faut taper beaucoup plus fort. Comme ça. Hi-ya! Tu n'es pas assez costaud, Ninjaka, mais je parie que moi je le suis. Glu-Glu, arrête! Mais si je casse la pierre et que je récupère le médaillon, Ninjaka arrêtera de taper dessus et de démolir plein d'autres trucs. Alors ça dans tes rêves, cuisse de grenouille. Ninja Zouave, faites rouler cette pierre! Continuez, elle va bien finir par casser. S'il continue de la faire ricocher partout, la ville toute entière finira aplatie. On doit l'arrêter. J'ai une pierre à briser! Mais ce rocher est incassable, Glu-Glu! Il faut l'arrêter de rouler! Mais je veux le médaillon pour prouver ma force! Je pourrais l'accrocher à mon mur! On sait déjà que t'es fort! Si tu donnais un coup dans cette pierre, tu finirais par l'envoyer dans les airs! Il faudrait essayer autre chose! Je vais courir autour de Ninjaka et de ses ninjas ouaves pour les cerner! Oui! Et moi, je soulèverai Glu-Glu pour qu'il puisse briser la pierre! Non! L'emmener jusqu'au QG! Bon, d'accord... Allons-y! Yo-Yo, rapido! Je l'ai. Maintenant, je vais la rapporter à notre QG. Juste un essai pour voir. Ça ne peut pas faire de mal. Glu-Glu Méga Plus. Oups. Glu-Glu. Haha, il a fait échouer votre plan. Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure.
Maintenant, observez un maître ninja. Utilisez toute sa force. Ninja force surpuissante! Le centre sportif! Oh non! Bibou Tornado! Attrape-la, Glu-Glu! Oh, bien joué, Glu-Glu! Merci! Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois. Mais... Je ferai très attention. Je sais que je peux avoir cette médaille. Surtout avec mon Glu-Glu méga triple coup de poing. C'est pas un coup de poing, ça, c'est un coup de mou. Tu crois ça? J'y arriverai la prochaine fois. Tu verras. Ninja Zouave, prenez le bélier. 1, 2, 3. Quoi? Je suis bien assez fort pour l'arrêter. Glu-Glu broyeur de roche. J'ai toujours pas réussi à la casser. Encore un petit essai. Là, ça commence à devenir ridicule. Tu veux dire ridicule comme quand Ninjaka s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher? Je l'ai trouvé! Je vais le casser, tu vas voir. Même si pour ça je dois l'envoyer s'écraser contre la construction la plus solide de la ville. Vous vous demandez de quoi il s'agit, hein? Hein? Pas notre QG! Et si jamais il le détruit, on ne pourra plus être les pyjamasques sans ça! Tu n'as pas le droit de faire ça, Ninjaka! Je pensais que toi, tu me comprendrais, cuisse de grenouille. Après tout, toi aussi, tu essaies de briser le rocher. Sautez! Mille reptiles! Je ne peux pas le laisser faire ça! Eh ben, ne restez donc pas plantés là, regardez. Nom d'un hibou déplumé, c'est pas passé loin. Ninjaka a dépassé les bornes. Oui, et c'est entièrement ma faute. Glu-Glu méga muscle. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû mettre la pierre à l'abri dans le QG. Je vous ai pas écouté, résultat, elle a pratiquement failli vous écraser. Ça ne fait rien, on s'en est tiré et tu as réparé le QG. Mais je vous ai mis en danger, tout le monde est en danger, tant que ce rocher est en circulation. Tu ne pourrais pas mieux dire. Préparez-vous pour le grand choc. Avec un gros contrepoids, le rocher frappera le QG encore plus fort. Dans tes rêves, hein? C'est l'heure d'être un vrai héros. On a eu assez de soucis comme ça avec ton caillou. Tu n'as aucune chance de m'arrêter, tête de tétard. Le médaillon sera bientôt à moi. Glu-Glu, non! Enfuis-toi! Cette pierre n'a rien à faire là! Glu-Glu méga muscle! Wow! Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort! Oui! Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais. C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Glu-Glu. Et ça a fait sortir toute la superpuissance qui est en toi. Tu as raison. Rendez-moi ce médaillon tout de suite. Il m'appartient. Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka. Mais c'est moi qui ai brisé la roche. Je l'ai envoyé sur votre QG. Toi, tu l'as catapulté. Mais c'est Glu-Glu qui a réussi à la casser grâce à ses méga muscles. Oh, mais ça n'a pas de sens, cette histoire. Comment un lézard pourrait être plus fort que moi? Parce que la vraie force intérieure se révèle quand les amis qu'on aime ont besoin d'aide. Eh ben, si c'est ça, c'est vraiment pas marrant. Très bien. Gardez le médaillon, les super zéros. Mais je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins. Je vais vous renvoyer de ce temple dans la montagne pour vous entraîner mieux que ça, les ninjas zouaves. Franchement, ce médaillon te revient. Tu l'as bien mérité, Glu-Glu. Merci. Mais il vient de si loin et il y a toute une légende autour de lui. Qui a besoin d'une médaille, de toute façon? Je pensais l'offrir au musée pour que tout le monde puisse l'admirer. Chouette! Et je crois qu'il y a une autre façon de montrer ta force avant que le soleil ne se lève. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les dragas! Cool! C'est lui qui
qui a cassé ce rocher doit être hyper fort. Mais qui ça peut être? C'est un mystère.